pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Oui, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous sommes à la 309e revue de presse. C'est quand même pas mal. Alors, chers abonnés, je tiens à vous remercier. Nous arrivons aujourd'hui sur la chaîne Philippe Buffon à 85 000 abonnés. Évidemment, je vous recommanderai évidemment de partager, de liker toutes les vidéos, mais surtout de les partager pour que d'autres gens puissent les voir et s'abonner à leur tour. Car j'aimerais bien avant un mois et demi, arriver aux 100 000 abonnés. Donc, objectif, 100 000 abonnés. Merci beaucoup. Bon, maintenant, la revue de presse avec, évidemment, l'Ukraine, évidemment, et malheureusement l'Ukraine, et Gaza, malheureusement ces deux conflits qui ensanglantent le monde. Mais n'oublions pas que dans le monde, il y a d'autres conflits dont personne ne parle. Par exemple, les conflits du Congo. Les conflits du Congo que personne ne veut montrer du doigt. Bon, maintenant, la revue de presse. Alors, il y a eu un nouvel échange de prisonniers entre les deux armées, avec un format de 115 contre 115. Le 26 août s'est produit un nouveau raid massif des Russes, utilisant des drones et des missiles sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Je vous présente la carte où l'on voit les principales frappes. Comme vous pouvez le constater, l'ouest, le centre, le sud et l'est du pays ont été ciblés. La centrale hydroélectrique au nord de Kiev a également été touchée. Donc, on montre où elle se situe. Donc, la ville de Kiev est ici et la centrale hydroélectrique est au nord. Les Ukrainiens ont annoncé avoir abattu plus de 200 missiles et drones, ce qui ne constitue pas l'ensemble des frappes russes, puisque de nombreux sites ont été touchés. Et la nuit dernière, il y a eu également de nouveaux bombardements sur l'Ukraine avec des missiles et des drones, mais en plus faible quantité. Et donc, pour rappel, ce sont essentiellement les infrastructures énergétiques qui étaient visées. Sur l'oblast de Voronej, donc en Russie, donc cette région se situe ici, où vous voyez donc mon curseur de souris. Un dépôt de l'armée russe a été touché donc dans cette oblast par un nouveau type de drone ukrainien répondant au nom de Palyanitsia, que je vous présente ici donc dans la vidéo. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que la Russie avait lancé plus de 100 missiles et environ 100 drones d'attaque sur l'Ukraine pendant l'heure de pointe de ce lundi matin, tuant au moins 5 personnes et frappant des installations énergétiques dans tout le pays. C'était l'une des plus grandes frappes combinées, plus d'une centaine de missiles de différents types et une centaine de drones Shahed. Et comme la plupart des frappes russes précédentes, celle-ci est tout aussi sournoise, ciblant des infrastructures civiles critiques dans la majorité de nos régions de Kharkiv et dans la région de Kiev, dans la région d'Odessa et dans les régions occidentales. Malheureusement, il y a eu des victimes. Il y a eu beaucoup de dégâts dans le secteur de l'énergie, mais partout où des coupures de courant ont été introduites, des travaux de rétablissement sont déjà en cours. Nos équipes de réparation travailleront 24 heures sur 24. Nous veillerons à ce que le courant soit rétabli. En mer Noire, les Russes ont de nouveau bombardé l'île des Serpents, qui se situe ici. Donc, dans la journée du 24 août, un missile a touché les infrastructures de l'île. Et donc, on a eu... D'après ce que disent les experts qui font les calculs aux missiles près, la plus importante attaque de missiles et de drones russes sur le territoire ukrainien depuis le début du conflit. On parle de plus de 200 vecteurs au total, donc qu'ont tapé alors des centrales hydroélectriques. Encore quelques grandes, enfin pas des grandes centrales électriques, mais vous savez, les transformateurs qui sont à l'entrée des grandes agglomérations. Et puis surtout,
ce qui semble être des aérodromes, des dépôts de munitions, des dépôts de matériel. Certains s'interrogent encore aujourd'hui dans l'analyse des images qu'on peut voir circuler sur les réseaux Telegram, savoir s'il y a éventuellement des F-16 qui auraient été touchés, notamment dans le secteur ouest de l'Ukraine, vers Lvov ou enfin Lviv, pardon, ou Ivano-Frankivsk. On verra bien ce que nous disent les éventuelles images qui transpireront sur le réseau d'ici la fin de la semaine. Mais en tout cas, on a eu quelque chose de substantiel qui, à mon avis, va encore handicaper un peu plus l'Ukraine dans les jours qui viennent et dans les semaines qui viennent, notamment parce que si des infrastructures ferroviaires ont été touchées, on va avoir là encore des problèmes de déplacement des trains transportant le matériel lourd d'un point à l'autre du front, ce qui va contraindre à utiliser la route, ce qui va rendre plus détectable encore telle ou telle colonne pour les observateurs russes et faciliter leur destruction. Croyez-vous que c'est une représaille pour Koursk? Et ma deuxième question est, cela pourrait-il être le début d'une offensive russe? L'armée ukrainienne avertit que l'armée biélorusse est très proche de l'armée ukrainienne. Pensez-vous que cela pourrait faire partie d'une offensive russe? D'accord, commençons par quelques points. Tout d'abord, je pense que c'est la plus grande frappe de missile que nous ayons vue à n'importe quel moment pendant toute la guerre. Nous n'avons pas de chiffres exacts, mais j'ai l'impression qu'en termes d'ampleur, c'est sans précédent. C'est tout simplement une frappe de missile énorme. Divers types de missiles sont utilisés, y compris des missiles de croisière, des missiles balistiques et des missiles hypersoniques. Il y a des rapports de chasseurs MiG-31 décollant, lançant des missiles hypersoniques, revenant pour être rééquipés et lançant à nouveau. Donc c'est une frappe de missile massive. C'est le premier point. La deuxième chose que je voulais mentionner est que le fait que cela se passe en plein jour a une raison spécifique. C'est pour montrer à tout le monde, y compris au peuple ukrainien, que ces missiles passent réellement. Les Ukrainiens affirment souvent qu'ils ont abattu la plupart des missiles et que seuls quelques missiles russes ont pénétré leur défense. Cela se produit généralement la nuit lorsque les frappes de missiles ont lieu. Cette fois, les Russes veulent démontrer au monde et aux Ukrainiens que le système de défense aérienne ukrainien s'est essentiellement effondré et ne peut pas empêcher ces missiles d'atteindre leur cible. Je voulais d'abord faire ces deux points. Pour répondre à votre question, non, je ne pense pas que cela soit lié à Kursk. Je crois que cela a été préparé des semaines et des mois à l'avance. Et la Russie a tiré des centaines de missiles et de drones sur l'Ukraine, faisant au moins 7 morts. L'attaque de lundi a provoqué des coupures d'électricité et d'eau généralisées en Ukraine. Elle est intervenue après que Kiev a revendiqué de nouvelles avancées dans son offensive dans la région de Kursk en Russie. L'armée de l'air ukrainienne a indiqué que 102 missiles et 99 drones avaient été abattus. En réponse à la frappe, le président ukrainien Zelensky a exhorté les nations européennes à aider à l'arrêt des drones et des missiles survolant l'espace aérien de son pays. Le président américain Joe Biden a qualifié les frappes russes de scandaleuses et s'est engagé à aider l'Ukraine à réparer les dégâts. En résumé, et du fait que les raids ukrainiens sur l'oblast de Koursk diminué, nous avons pu réduire la zone grise tout en constatant une forte diminution des gains territoriaux ukrainiens dans ce secteur. Des renforts ukrainiens et russes affluent dans l'oblast de Koursk où les combats ne sont pas prêts de s'arrêter. Sur le front du Donbass, on note une avancée et une progression toujours aussi constante de l'armée russe et pour la première fois depuis l'offensive ukrainienne sur Koursk, ce sont les Russes qui ont enregistré davantage de gains de terrain ces derniers jours. Oui, je crois que cela est synchronisé et lié aux actions offensives russes à travers l'Ukraine. L'avant-veille, Poutine a rencontré des hauts responsables militaires. Il a eu une réunion dans un lieu non divulgué avec le chef d'état-major général Valery Gerasimov
et le chef des opérations de l'état-major général, Alexander Rutskoy. Apparemment, tous les autres hauts responsables militaires étaient impliqués. Apparently, all the other top military people were involved. Putin spoke to some of them over secure lines. Poutine a parlé à certains d'entre eux sur des lignes sécurisées. Il a reçu un briefing complet sur tout ce qui se passe sur l'ensemble du front de bataille, pas seulement à Koursk. Je pense que dans les jours, semaines et mois à venir, nous verrons la poursuite de l'offensive russe en Ukraine. Cela se poursuit depuis octobre dernier, lorsque l'offensive ukrainienne a commencé à perdre de l'élan. Je crois que cette offensive sera désormais considérablement intensifiée. La frappe de missile, qui a été soigneusement préparée, est destinée à coïncider avec cela. Concernant le secteur de Soumy, Koursk, vous le voyez, la zone bleue sous contrôle ukrainien n'a pas changé depuis vendredi. Hein, il n'y a pas eu de modification substantielle du front. Glushkovo donc tient toujours, Korenevo tient toujours également, et toutes les tentatives ukrainiennes pour élargir la zone sont désormais limitées à des assauts, on va dire à l'échelle de la compagnie au maximum, avec quelques éléments blindés. On sait que les Ukrainiens continuent d'injecter des renforts dans ce saillant, hein, on va finir par qualifier ça par le terme militaire adéquat, c'est-à-dire que ce saillant je sais pas s'il faut l'appeler déjà le saillant de Soujda, mais bon, c'est Soujda, pardon, mais c'est probablement le cas. Et donc on nous dit d'une part que le niveau d'attrition dans le saillant est très élevé, hein, on aurait dépassé les 5000 pertes globales, tués, blessés, disparus et prisonniers, des dizaines déjà de chars, des centaines de véhicules blindés, on en parlait vendredi, ça ne cesse d'augmenter parce que, bien évidemment, les appuis-feux russes donnent à plein, que ce soit l'artillerie ou que ce soit l'aviation, et que ça rend de plus en plus compliqué la progression des soldats ukrainiens dans n'importe quelle direction. Il faut remarquer que les Ukrainiens n'ont pas pu arrêter la vague de missiles et de drones hier sur l'ensemble de leur territoire, parce que la majorité de leurs défenses antiaériennes sont concentrées dans ce secteur du front. C'est-à-dire qu'on a dégagé les rares moyens qui étaient disponibles pour protéger tel ou tel site. Alors il reste quand même quelques batteries, bien sûr, autour des sites les plus névralgiques, notamment à Kiev, hein, ou à Lvov, mais la majorité des moyens sont déployés dans la zone de Soumy-Koursk, et donc du coup, eh bien, ça manque ailleurs. Et donc là, ça permet, pendant un temps encore, de gêner l'aviation russe, mais pas de lui interdire l'accès au ciel. Hein, bien évidemment, ça peut la gêner, notamment en ce qui concerne les avions d'attaque au sol qui mènent des attaques plus directes que les Sukhoi 34, mais qui eux larguent les bombes planantes d'assez loin. Mais voilà, la grande majorité de ce qui reste de la DCA ukrainienne est dans cette zone-là, ce qui leur permet pour le moment de tenter de ci, de là quelques attaques locales, et puis surtout d'éviter pour le moment d'être anéanti par les FAB 500, 1500 ou 3000 de l'armée de l'air russe, comme le sont les autres secteurs du front, où là il n'y a plus du tout de défense anti-aérienne ukrainienne. Alors, donc là, on va dire que la situation est maintenant quasiment figée, hein, c'est pas la progression sur 400 ou 500 mètres de telle ou telle compagnie d'assaut qui va changer quelque chose à la donne. Hein. On sait que les moyens ukrainiens en termes d'hommes, puisqu'ils continuent d'engager des renforts, restent avec une légère supériorité numérique, mais vu les moyens d'appui-feu dont disposent les Russes, eh bien ça annule tout ça, et on a cette situation figée comme résultat pour le moment. Le Kremlin affirme qu'il y aura une réponse à l'attaque de Koursk et que l'idée de pourparler, de cesser le feu avec Kiev, n'était plus d'actualité. Des milliers de soldats ukrainiens ont franchi la frontière russe le 6 août dernier lors d'une attaque surprise qui, selon le président russe Vladimir Poutine, visait à améliorer la position de négociation de Kiev avant d'éventuels pourparlers et à ralentir l'avancée des forces russes sur le long du front.
Cela fait partie du travail quotidien du commandant en chef suprême. Vous savez que le président accorde une attention prioritaire à la réception des données et des informations de ceux qui s'occupent de diriger l'opération militaire spéciale sur le terrain. Il ne s'agit pas d'une décision séparée. De telles actions hostiles ne peuvent rester sans réponse appropriée. Il y aura certainement une réponse. On va revenir, grâce à vous, sur la situation sur le terrain, sur deux fronts, avec des situations, vous allez le voir, totalement différentes. 900 jours depuis le début de cette guerre, les Ukrainiens toujours à l'offensive sur le territoire russe. Nous sommes dans la région de Koursk et dans le Donbass. C'est tout l'inverse, impossible pour Kiev de contenir le rouleau compresseur lancé par Moscou. Une crainte de voir les dernières grandes villes de l'oblast, notamment Kramatorsk, tomber entre les mains de l'ennemi. Les canons sont à moins de 10 km et le dernier rempart de Kramatorsk, c'est Pokrovsk. Pour combien de temps, Laura? C'est la question que l'on peut se poser. On va faire avec vous justement un point complet sur cette ville et on verra dans quelques instants un reportage exceptionnel de nos envoyés spéciaux. Une ville presque, Laura, en sursis. Oui, les Russes se rapprochent de Pokrovsk. Christophe, voici où ils se trouvent désormais, ces Russes, soit à une dizaine de kilomètres de cette ville de Pokrovsk, 60 000 habitants avant la guerre. Et voici pour rappel où ils se trouvaient au printemps, à une quarantaine de kilomètres. À l'époque, l'objectif paraissait loin. Désormais, il semble atteignable, même si, avant d'arriver jusqu'à Pokrovsk, les Russes devront prendre Mirnograd, ici, 50 000 habitants avant la guerre, une zone urbaine qui ne sera pas facile à conquérir. Laura, la question que l'on voudrait comprendre grâce à vous, c'est quelle est l'importance de cette ville pour les Russes. Je rappelle quand même cette information que les canons russes sont à moins de 10 km de Pokrovsk aujourd'hui. Une importance stratégique, Christophe, puisque Pokrovsk est un nœud logistique pour les troupes ukrainiennes. Point de passage de nombreux axes ferroviaires et routiers, vous le voyez ici clairement sur ma carte, à la fois vers l'arrière et les villes de Pavlograd et Dnipro qui seront moins bien protégées si Pokrovsk vient à tomber, et vers les autres fronts en direction de Kramatorsk, la plus grande ville de la région. Si Pokrovsk tombe, les Ukrainiens auront du mal à acheminer leurs troupes, leur matériel, leurs armes le long de cet axe, ce qui fragilisera encore plus leur défense de cette région de Donetsk. Enfin, n'oublions pas l'importance symbolique que représenterait une éventuelle prise de Pokrovsk, avec ses 60 000 habitants avant la guerre, restant 53 000 restant encore aujourd'hui. Elle est l'une des cinq grandes villes du Donbass, ciblées ouvertement par les Russes, avec Konstantinivka, Druzhkivka, Kramatorsk et Sloviansk. Elle serait donc le premier maillon à tomber, fragilisant tous les autres. On voit notamment depuis deux jours que les Russes progressent dans Novorodivka, donc plein nord-ouest, vers Pokrovsk. Donc ils ont une attaque soutenue dans cette zone. Ils ont progressé de manière assez importante dans cette ville qui fait quand même presque 15 000 habitants, qui est fortifiée, etc. Ils en ont conquis déjà quasiment les deux tiers en à peine trois jours. Et ils continuent d'attaquer vers le sud, à la fois vers Selidové, et puis bien sûr vers le sud, plein sud, hein, vers Ukrainsk, pour pouvoir descendre vers Korakové, et se joindre aux troupes russes qui, elles, viennent de Marinka pour soit forcer les Ukrainiens à évacuer le saillant qui risque de se former donc à l'ouest, à l'est de cette ligne, soit, s'ils veulent le défendre à tout prix, à être encerclés. Mais donc les Russes sont en capacité de mener une offensive sur deux axes différents depuis la zone qui est située à l'est d'Otcheretiné. Voilà, donc ça c'est très important. Tous les témoignages qu'on a de la part des Ukrainiens qui sont sur place sont toujours de la même nature, manque de munitions, manque d'hommes, manque donc de moyens de lutte antiaérienne, donc les Russes réussissent à progresser, et puis surtout sur le plan tactique, Hervé Carès, sur son fil Telegram, insiste très intelligemment là-dessus depuis plusieurs semaines. L'apparition des FAB 3000, donc pas de 3000 tonnes, hein, de 3 tonnes, fait que les Ukrainiens ne peuvent plus créer des nœuds défensifs tactiques autour des grandes barres d'immeubles dans les agglomérations, parce qu'une seule bombe suffit pour souffler la barre d'immeubles. Et donc les Ukrainiens ne peuvent plus s'accrocher aux bâtiments, comme ils l'ont fait par exemple à Bakhmout, comme ils l'ont fait à Mariupol ou ce genre de choses, parce que ces bombes-là
ont permis d'obtenir un game changer au niveau tactique. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus vous dire « je prends une barre d'immeuble de 5-6 étages, ce qui fait 50 mètres, 60 mètres de long, et ou même 100 mètres de long, et je m'installe des niveaux défensifs partout dans la plus pure tradition de l'armée rouge à Stalingrad, et j'en fais un bastion qui est imprenable pendant des semaines. » Non, là, vous faites ça, et malheureusement, ça se transforme en cercueil pour vos unités. On nous dit de plus en plus, on en a déjà parlé la semaine dernière, que les Ukrainiens prépareraient alors non pas une mais deux opérations. D'abord dans la partie de Kherson à l'ouest, donc de la partie contrôlée par l'armée russe. Hein. Vous pouvez voir là les flèches, les pointes, les bancs de sable qui vont dans la mer Noire, qui s'avancent dans la mer Noire. Il y aurait donc de nouvelles tentatives de débarquement, mais cette fois-ci avec des éléments plus nombreux numériquement, qui seraient à craindre dans cette zone. Et simultanément, dans le secteur de Zaporijjia, pour aller vers la centrale nucléaire donc de Zaporijjia, on aurait, ça on en a déjà parlé, la concentration, nous dit-on, d'une centaine de blindés et de quelques milliers d'hommes qui auraient pour objectif de percer les défenses russes, de longer ensuite la rive gauche du Dniepr et d'atteindre la centrale nucléaire pour s'en emparer. Alors, quand on voit, j'ai mis la ligne bleue pour symboliser les fortifications russes, la première ligne de fortifications russes, là où le Dniepr, donc au sud de Zaporijjia, fait un coude vers l'ouest pour aller vers Nikopol et puis ensuite vers Kherson, cette zone est une des zones les plus densément fortifiées du front. Et on a bien sûr trois lignes de défense successives sur plusieurs dizaines de kilomètres de profondeur. Donc je ne vois pas avec une centaine de blindés et quelques milliers d'hommes, même si vous mettez tapis avec les F-16 pour créer une espèce de bulle pendant un temps, etc., ça va pas se passer comme à Soumy. Hein. C'est-à-dire que dans le secteur de Soumy-Kourtz, qui avait quasiment pas de fortifications, il y avait que des gardes frontières disposés en amont sur la frontière, qui étaient donc pas dans des retranchements, qui avaient pas d'armes lourdes, qui avaient pas tout ça. Là, c'est pas du tout le cas. Et donc, si vous envoyez un assaut vers ces positions fortifiées, même avec du brouillage, même avec tout ça, je pense que vous allez envoyer à la mort, peut-être la première ligne de défense sera-t-elle atteinte et quelques portions seront conquises, mais jamais vous en sortirez. La détention de Pavel Durov, le fondateur du service de messagerie Telegram, pourrait compliquer les plans militaires russes en Ukraine. Telegram est très populaire parmi les russophones et joue un rôle crucial dans la guerre en Ukraine, tant pour les opérations sur le terrain que pour la diffusion du discours de Moscou. Selon l'Institute for the Study of War, il s'agit de la principale alternative aux communications officielles pour le personnel militaire russe en Ukraine. It's not just a news source, but it's a kind of key messenger that is used for coordination of action on different levels, to store video, to share large files, and all these kind of things. And you've got a lot of channels who are directly, more or less directly connected with the Kremlin or with the DOD, the Department of Defense of Russia. Telegram est une messagerie cryptée et a évité de passer sous le contrôle du gouvernement russe en 2018. Selon des experts, le Kremlin aurait réussi à la manipuler tout en promouvant une législation plus stricte sur ses activités. The owners of channels that are grouping more than 10,000 followers have to give the information to Roskomnadzor, which is more or less the organization who is in charge of controlling all the medias and social networks. In the same law, they are explaining that if you've got a channel who is followed by more than 500,000 packs, you had to give all the information on your users just if RKN or the FSB is asking it. So there is a kind of, not a control, but let's say a kind of more or less cooperation. Avec Pavel Durov en prison dans un pays européen, les forces russes pourraient commencer à délaisser Telegram, qui dans un scénario extrême pourrait être totalement bloqué dans le pays.
Cette incertitude aura probablement un impact sur les opérations de la ligne de front russe, même s'il semble peu probable que les autorités françaises puissent divulguer les informations cryptées. They will try to do so. It will be illegal, hein, because at the EU level there is no decision about, you know, being allowed to read messages. Three months ago, the EU could not reach an agreement on this. So yeah, they could try this, the secret services or whatever. But I really don't think that's the main problem now. La détention de Pavel Durov pourrait bientôt devenir un incident diplomatique entre la France et la Russie. L'ambassade russe à Paris a accusé la France de refuser de coopérer. Mais le président français Emmanuel Macron a assuré que la détention n'était pas une décision politique. C'est autour de l'Ukraine. C'est l'arrestation du fondateur de Telegram, Pavel Durov, sur le sol français. Donc son avion a atterri au Bourget et à la sortie de l'avion, il a été accueilli par la police de l'air et des frontières, qui l'a remis donc ensuite à la gendarmerie ou à la police pour qu'il soit entendu par pour qu'il soit placé en garde à vue et qu'il soit entendu par un juge d'instruction. On a découvert, je le souligne tout de suite à l'occasion de cette affaire, que ce monsieur avait obtenu en 2021, grâce à une procédure particulière, la nationalité française, parce que c'est un personnage qualifié d'émérite. Bon, très bien. Maintenant, comment se fait-il que un homme donc qui est à la tête d'un des plus grands réseaux de messagerie instantanée et cryptée soit arrêté ainsi sur le sol français, alors qu'il y a encore quelques semaines, on voyait bien Monsieur Thierry Breton tenter d'intimider Elon Musk en lui disant à travers une lettre complètement délirante qu'il allait peut-être devoir rendre des comptes par rapport à la façon dont il avait l'audace de vouloir diffuser un échange entre lui-même, Elon Musk, et Donald Trump, ancien président des États-Unis et candidat à la présidence à nouveau cette année, en lui disant que c'était contraire à toutes les règles de l'Union européenne. Alors bon, l'ironie du sort, c'est que Monsieur Breton s'est pris d'abord une claque par Madame von der Leyen, et puis surtout ensuite il s'est pris une claque de la part du Congrès des États-Unis, qui l'a renvoyé dans ses 22 en lui disant qu'il fallait pas rêver. S'il y a quelqu'un qui interfère dans les affaires des autres, c'est les États-Unis, pas l'Union européenne. Et qu'on ne menace pas quelqu'un comme Monsieur Musk quand on est Monsieur Thierry Breton. Hein, d'ailleurs, quand on est Monsieur Thierry Breton, on menace personne normalement. Hein, on se cache. On prend son passeport sénégalais, on va se cacher quelque part à Dakar et on arrête de se prendre pour ce qu'on n'est pas. Voilà, puis on n'oublie pas de rendre l'argent d'Atos au passage avant de partir. D'abord, vous le soulignez, Moscou en a rêvé, mais il faut revenir un petit peu aux origines de la brouille entre ce jeune entrepreneur, créateur de la chaîne Telegram, et les autorités russes. C'est 2014, il quitte la Russie en 2014, d'ailleurs en faisant un signe avec un doigt, le doigt du milieu, une photo assez populaire, voilà, qui est une sorte de pied de nez à Poutine. Mais surtout, à l'époque, on lui reproche... En lien avec la guerre en Ukraine. Absolument, coup, enfin avec la guerre de celle de qui est oui. Le moment où elle a commencé, oui. C'est-à-dire au moment de Maidan, où on lui reproche tout simplement de ne pas lever, de ne pas permettre justement l'accès à des comptes ukrainiens, et c'est une des raisons pour lesquelles, il y en a d'autres aussi, il est tout de suite en porte-à-faux avec les autorités russes. Voilà. Donc, pour résumer, pour que tout le monde comprenne bien, à cette époque, les autorités russes, donc le Kremlin, veut dire Poutine, reproche à Pavel Durov de ne pas, lever l'accès, parce que justement c'est une messagerie cryptée avec des données très confidentielles, de ne pas lever l'accès sur ses comptes qui publient des informations sur cette révolte. Et inversement, lui protège en tout cas la liberté d'expression de cette partie ukrainienne. Et en fait, il reste fidèle, un peu naïvement d'ailleurs, à une liberté d'expression absolue, hein, celle que professe également... Dans un camp comme dans l'autre, en fait. Elon Musk, même si Elon Musk a fait quand même quelques arrangements avec les autorités américaines, mais lui, pas du tout, et donc il va rester intransigeant, et donc c'est à l'époque où il va obtenir la nationalité française, et effectivement, on le considère comme un héros. Aujourd'hui, on l'arrête, voilà.
Tout le monde sait que Telegram est utilisé, bien évidemment, alors on nous dit qu'il y a à peu près 900 millions d'utilisateurs, dont 80 millions en Russie, et que bien sûr en Russie, alors que Pavel Durov est pas du tout dans les petits papiers du Kremlin. Pavel Durov a été menacé par le Kremlin et par Vladimir Poutine et le gouvernement russe depuis des années. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'en catimini, la France lui a donné un passeport. Hein. Et donc, aujourd'hui, le gouvernement russe et ses différents membres sont sur Telegram, ont des canaux officiels sur Telegram, mais il n'y a pas que. Il y a aussi des opposants, il y a aussi plein de chaînes ukrainiennes d'information qui servent pour nous, ici à Veille Stratégique, pour nous informer de ce qui se passe du côté ukrainien, qui sont sur Telegram et qui ne sont que sur Telegram. Alors c'est quoi? On va nous dire, ah bah oui, mais sur Telegram, je crois même d'ailleurs, aux ironies du sort, puisqu'on vient accuser les gens de ci, de ça, hein, que donc il y aurait des terroristes, je crois me souvenir... Et je le salue au passage, que mon ami Xavier Moreau expliquait pendant la bataille de Mariupol, qui suivait le commandant du bataillon Azov dans Azovstal parce qu'il publiait sur Telegram, qu'il avait un fil Telegram. Donc ça veut dire que même les gens les plus rabiquement opposés à Vladimir Poutine au sein de l'appareil militaire et répressif ukrainien pouvaient accéder à un public via cette plateforme, via cette application. Alors voilà, le problème, c'est qu'elle est cryptée et qu'elle refuse de livrer à la terre entière les informations cryptées de ses clients. Has accused France of free speech double standards after the arrest of Pavel Durov, Russian billionaire and also the founder of the Telegram messaging platform. The arrest late on Saturday night prompted a stern warning from the Kremlin to the Elysee Palace that Durov should be accorded his full rights, further aggravating the already tense relationship between both countries. On Sunday night, French authorities decided to extend Durov's detention period for not curbing enough offenses allegedly on the Telegram platform, such as, for example, fraud, drug trafficking, organized crime, and even promotion of terrorism. Durov could be held up to 96 hours for questioning. After the end of this detention period, a judge can then decide whether to set him free or to press charges against him. French President Emmanuel Macron insisted on Monday afternoon that Durov's arrest was in no way a political move. Russia's embassy in Paris said that they had tried to get in touch with Durov, but said that the French side was not cooperating with them, and that's because Durov also holds a dual nationality with France. Sofia Katsenkova reporting from Paris for Euronews. Le but, c'est de fermer, hein, alors c'est probablement pas de fermer Telegram, mais c'est de contraindre Telegram à travers donc le chantage à la détention de son fondateur, de livrer des informations, mais j'en suis persuadé, qui peut-être accessoirement vont avoir un lien avec une éventuelle enquête de pédocriminalité ou de trafic de drogue, ou pourquoi pas les deux. Mais la réalité, c'est d'aller obtenir des informations sur les canaux Telegram des hauts responsables du gouvernement russe. Oui, l'administration Biden a encouragé la France, Emmanuel Macron, à arrêter le fondateur propriétaire de Telegram, Pavel Durov, qui est maintenant dans une prison française. Ça ressemble comme toute la marque d'une dictature pour moi. Vous savez, nous avons perdu l'Europe. L'Europe n'a plus de liberté d'expression. Regardez ce qui s'est passé avec Elon Musk. Elon devrait être le héros du Parti démocratique. Enfin, l'ancien Parti démocratique. Et maintenant, il est devenu le méchant. C'est la seule plateforme qui autorise la liberté d'expression. Et maintenant, il est devenu le vilain à cause de ça. Parce que le Parti démocrate ne croit pas aux gens. Si vous ne croyez pas dans la liberté d'expression, c'est parce que vous n'avez pas confiance aux gens. Vous ne leur faites pas confiance de réfléchir par eux-mêmes, d'avoir des informations sur lesquelles ils peuvent baser leurs idées et les notions de croyance. Et ils votent. Et ils votent. Et le gouvernement doit les protéger de ces dangereuses informations venant de choses qui peuvent mettre de mauvaises idées dans leur tête. Et c'est très condescendant et c'est aussi
très manipulatif et sournoise. Et c'est vraiment l'opposé de la démocratie. C'est en effet très important le fait que Robert F. Kennedy joigne ses forces avec celles de la campagne de Trump et en fait abandonne, puisqu'on faut quand même se rappeler que lorsque Kennedy a commencé sa campagne, il était candidat à la primaire démocrate. Démocrate, tout à fait. Il a été écarté en fait par des manœuvres tout à fait antidémocratiques de la part du parti démocrate au profit de Joe Biden, dont je rappelle quand même que maintenant il n'est plus lui n'est plus candidat et a été en fait déporté au profit de quelqu'un qui était si impopulaire qu'elle n'a même pas participé à la première primaire de 2020. Donc on retrouve quand même quelque chose de très très important. Mais c'est vraiment un symbole le fait que RFK Jr. rejoigne ses forces avec celles de Donald Trump. Il faut lire à cet égard le long discours que Kennedy a livré. Annonçant en fait sa suspension en fait de sa campagne. Je rappelle quand même sur les détails. Oui, allez-y. Suspend sa campagne et il se retire en fait du scrutin dans 9 États clés. Ça veut dire qu'il est encore présent le nom de RFK Jr. est encore présent sur le scrutin d'un certain nombre d'États qui ne sont pas des États en fait en contention pour la victoire des deux partis démocrates et républicains, ce qui fait que s'il dépasse les 5%, il peut obtenir quand même des matching funds. Donc en fait, on a la possibilité, c'est une bonne opération de la part pour Kennedy qui peut en fait véritablement obtenir les forces pour créer et soutenir un troisième parti, en fait. Mais il a expliqué très très bien dans son discours pourquoi il avait décidé de s'unir avec Trump, avec à la clé d'ailleurs quand même sans doute une nomination dans l'administration de Trump à la tête du Department of Health and Human Services qui chapeaute toutes les agences fédérales, les grandes ce agences serait une révolution, fédérales hein. de la santé publique. Donc ça, ce serait vraiment une révolution. Donc chapeaute le CDC, le Center for Disease Control, la NIH, la National Institute of Health, qui est en fait la principale institut financier. Mais étant donné le poids aujourd'hui des lobbies pharmaceutiques, je ne suis pas sûr que ce soit très bien accueilli de ce côté-là. Bientôt, nous introduirons un tarif douanier de 100% sur les véhicules électriques fabriqués en Chine et un tarif douanier de 25% sur l'acier et l'aluminium chinois. Les droits de douane entrent en vigueur le 1er octobre. L'ambassade de Chine au Canada a critiqué cette mesure, la qualifiant de protectionnisme commercial typique et d'incompatible avec la position du Canada en tant que défenseur du libre-échange et du changement climatique. Elle a ajouté que l'action du Canada nuirait à la coopération bilatérale et porterait préjudice aux entreprises et aux consommateurs canadiens. Les droits de douane appliqués aux véhicules électriques comprennent également les véhicules électriques de marque étrangère produits en Chine tels que Tesla. La Chine a exhorté le Canada à respecter les règles de l'Organisation mondiale du commerce et a déclaré qu'elle prendrait des mesures pour préserver les intérêts chinois. L'Organisation mondiale de la santé déclare avoir besoin de 135 millions de dollars pour mettre en œuvre sa riposte mondiale contre le Mpox. Lundi, elle a lancé un plan de 6 mois destiné à aider à stopper de nouvelles épidémies de virus. Cela inclut notamment d'augmenter le nombre de travailleurs dans les pays touchés et de renforcer les stratégies de surveillance, de prévention et de réponse. L'OMS a plus tôt ce mois déclaré que le virus Mpox est une urgence sanitaire mondiale et la République démocratique du Congo reste le pays le plus touché avec plus d'un millier de nouveaux cas de Mpox au cours de la semaine écoulée. Les centres africains de contrôle et de prévention des maladies indiquent que jusqu'à jeudi dernier, plus de 21 000 cas suspects ou confirmés et 590 décès ont été signalés cette année dans 12 pays africains. L'Agence mondiale de la santé indique qu'elle travaille avec des partenaires internationaux, régionaux et locaux pour améliorer sa coordination et sa réponse, la distribution de vaccins étant une priorité absolue. Le gouvernement allemand prévoit de donner environ 100 000 doses de vaccins contre le Mpox aux pays touchés en puisant dans les stocks de son armée. La semaine dernière, la France s'est également engagée à envoyer la même quantité aux pays africains dans le besoin. Dans sa déclaration, l'OMS indique que les efforts de vaccination se concentreront sur les personnes les plus à risque, notamment les contacts étroits avec les cas récents et les professionnels de la santé. Tedros Ghebreyesus, le directeur général de l'OMS, a déclaré que les flambées de Mpox en République démocratique du Congo et dans les pays voisins peuvent être contrôlées et stoppées. Il précise que, pour agir ainsi, il faut un plan d'action global et coordonné entre les agences internationales et les partenaires nationaux et locaux.
La Chine a déclaré qu'elle s'opposait fermement à la décision des États-Unis d'ajouter plusieurs entités chinoises sur leur liste de contrôle des exportations en invoquant des liens avec la Russie. Un porte-parole du ministère chinois du commerce a condamné cette action, qualifiant cela de sanction unilatérale et de juridiction de longue portée. Le porte-parole explique que cette action désorganise le commerce international et menace la stabilité de la chaîne d'approvisionnement mondiale. La Chine exhorte les États-Unis à mettre immédiatement fin à ces actions et a prévenu qu'elle prendrait les mesures nécessaires pour protéger les droits de ses entreprises. Pékin, de son côté, accuse les Philippines d'être à l'origine de la collision entre deux navires. Le ministère chinois des Affaires étrangères a dans ce sens critiqué les actions entreprises par les gardes-côtes philippins malgré les dissuasions répétées de la partie chinoise. Je voudrais ici réitérer que Shanbinjiao fait partie des îles Nansha chinoises. Le 25 août, un navire officiel du Bureau des pêches et des ressources aquatiques des Philippines, malgré l'opposition résolue de la Chine et ses dissuasions répétées, a insisté pour pénétrer dans les eaux proches de Shanbinjiao et a dangereusement percuté le navire des gardes-côtes chinois qui se trouvait sur place pour mener des activités de maintien de l'ordre. La responsabilité de la collision entre les deux navires incombe entièrement à la partie philippine. Pan Gongcheng, le gouverneur de la Banque populaire de Chine, a déclaré que la Chine maintiendrait des politiques monétaires de soutien. La Banque centrale a en effet mis en œuvre cette année trois ajustements majeurs de ses politiques monétaires dans le but de soutenir l'économie. La prochaine étape pour la banque consistera à renforcer les ajustements anticycliques et transcycliques. L'objectif étant de consolider les attentes stables, de renforcer la confiance et de soutenir la tendance à la hausse de l'économie chinoise. Nous améliorons le mécanisme de politique monétaire pour qu'il soutienne mieux le développement de haute qualité chinois. Établir un cadre de politique macroéconomique prudent et un mécanisme de prévention des risques financiers systématiques sans permettre l'apparition de risques financiers systématiques, tel est le mot d'ordre. Améliorer l'infrastructure du marché financier et approfondir la réforme de l'offre financière afin de construire un système financier à haut niveau d'ouverture, tout en faisant avancer l'internationalisation du RMB. Dans le même temps, participer à la gouvernance et à la coopération mondiale. La Chine guidera une croissance raisonnable du crédit monétaire afin de soutenir l'économie et de réduire les coûts financiers pour les entreprises et les particuliers. Elle renforcera le soutien financier aux domaines clés et de faiblesse. Voilà, ça fait presque un mois donc qu'Annie a été assassinée à Téhéran. On n'a toujours pas d'idée sur la façon et sur le moment que prendra cette riposte iranienne qui est tant annoncée, hein, puisque les Iraniens eux-mêmes ont répété ces dernières 48 heures, nous nous préparons, la riposte sera à la hauteur. Alors, je demande non pas qu'à les croire, parce que ça signifiera encore une fois qu'on va mettre un doigt de plus dans l'engrenage, mais pour le moment, c'est difficile de voir clair sur la façon dont l'Iran souhaite mener cette opération de riposte contre Israël suite à cette grave violation de la souveraineté iranienne le 31 juillet dernier lors de la préparation de la cérémonie d'investiture du nouveau président iranien. Voilà. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, appelle à une désescalade immédiate au Moyen-Orient, alors que les attaques transfrontalières entre Israël et le Liban s'intensifient. On Sunday, we issued a statement in which the Secretary General expressed his deep concern at the exchange of fire that had taken place across the Blue Line. These actions, he said, put both the Lebanese and Israeli populations at risk, as well threatening regional security and stability. Plus de 600 casques bleus de la force intérimaire des Nations Unies au Liban poursuivent leur mission sur une base espagnole dans le sud du pays. Les soldats se retrouvent au centre des affrontements de part et d'autre de la ligne bleue, cette frontière non officielle qui sépare Israël et le Liban. Acaba de sonar fase 2, lo que implica que todo el personal fuera de los edificios debe portar chaleco y casco y todas las patrullas que estén fuera de las posiciones deben replegarse a la posición más cercana. Chaque jour, les casques bleus espagnols sont chargés d'apporter de l'eau aux positions avancées près de la frontière. Au final, pues te haces a ello. Nosotros venimos por una misión y a esto es lo que estamos haciendo y ya está. Dans une déclaration de son porte-parole, le secrétaire des Nations Unies souligne l'impact du conflit sur les civils qui habitent près de la ligne bleue.
Il confirme toutefois que l'escalade dans la région n'a pas eu d'impact humanitaire majeur pour le moment. Being in a place like Lebanon where a conflict could happen any minute just reminds me of home, as toxic as this sounds. So I don't mind being here no matter what will happen, because I don't think anything extreme as what happened to Gaza will happen here. Or at least, let's hope not. For me, I remember on the 6th of October, I was out with my friend Yara. We were sitting together in a cafe, applying for some jobs abroad, for some scholarships, for masters, applying for different stuff, talking about our future. The next day, the 7th of October happened. Like, suddenly, no matter how much plans you have, Israel will always have a different plan for you. Displacement in Gaza City is endless. And if you walk in the street, almost everyone is asking himself or herself the question, where should we go? Where are we supposed to go? And that's the thing. I only stayed for 2 months, which is considered nothing because now it's been going on for around 10 months. And maybe I got displaced one time from my house, then to a hospital, then to a friend's house for half an hour. Then we went to another friend's house. I went back to the hospital. Then the last thing we were in, like our cousin's house, so I don't know, maybe 6 or 7 times in 2 months. But that's nothing. Right now, in 2 weeks, people are getting displaced 6 or 7 times maybe. And that's one of the most heartbreaking things. I miss the sea and the sense of community. Israel can bomb anything. It can bomb hospitals, schools, mosques, churches, universities. There is literally no red lines, but when it comes to the sea, no bomb can shatter it. Donc la situation, bien évidemment, donc on va pas parler que du Liban, hein, la situation à Gaza continue d'être absolument catastrophique, comme on l'a souligné vendredi. Il n'y a toujours pas d'avancée sur un éventuel accord de cessez-le-feu pour les mêmes raisons. Hein, rien n'a malheureusement changé dans ce domaine depuis vendredi. Et encore une fois, malgré les grandes déclarations, malgré les postures américaines sur l'idée qu'il faudrait à tout prix qu'il y ait un cessez-le-feu, les Américains ont la clé de ce cessez-le-feu par la fermeture tout simplement du robinet d'approvisionnement d'armes et de munitions, et surtout de munitions à Israël. Hein, je pense notamment à tout ce qui concerne les bombes d'aviation. Si ces bombes ne sont plus livrées, l'offensive israélienne s'arrêtera d'elle-même. Voilà. Alors, je sais que certains d'entre vous s'interrogent sur le nombre de morts. Moi, je vous annonce des chiffres qui sont des chiffres officiels, qui sont consolidés par à la fois les sources sur place, mais aussi surtout les sources de l'ONU, hein, pas celles simplement du ministère de la Santé du Hamas, dont on peut effectivement parfois douter, mais tout ce que rapportent notamment l'UNICEF ou les autres organismes de l'ONU qui sont là-bas, c'est que le seuil catastrophe déjà des 40 000 morts tués par les actions de l'armée israélienne directement a été atteint, et que, comme le laisse entendre le Lancet, on pourrait avoir atteint les 180 000 morts, peut-être même encore plus, liés à la destruction des infrastructures qui interdisent de soigner correctement les gens, qui mettent en cause l'approvisionnement en eau, puisqu'on a parlé du retour de maladies comme la polio à cause de l'absence d'eau potable en quantité suffisante pour la population. Donc voilà. Un haut commandant iranien renouvelé son vœu de riposter contre Israël après l'assassinat du haut dirigeant politique du Hamas, Anihé. Il a ajouté que l'Iran déciderait du moment et de la qualité des représailles. Anihé a été tué dans une explosion à Téhéran le 31 juillet après avoir assisté à la cérémonie de prestation de serment du nouveau président iranien. Lundi, le Pentagone a déclaré que la menace d'une attaque contre Israël de la part de l'Iran et de ses groupes mandataires existait toujours. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré que les activités agressives de l'Iran à l'égard d'Israël n'avaient jamais été aussi importantes. Il a ajouté qu'Israël et les États-Unis devaient être prêts à empêcher l'Iran de se doter d'armes nucléaires. Une réunion qui vise à lutter contre les épidémies en Afrique est en cours en République du Congo. L'Organisation mondiale de la santé a réuni 500 délégués pour discuter des politiques et des plans visant à améliorer la santé des populations africaines. Depuis des décennies, le continent enregistre des taux de mortalité élevés dus à des maladies telles que le paludisme, la rougeole, le virus Ebola, le choléra.
Récemment, une souche mortelle du virus Mpox en République démocratique du Congo s'est propagée aux pays voisins, incitant l'Organisation mondiale de la santé à déclarer une situation d'urgence mondiale. Je pense que ce que les gens devraient retenir avant tout, c'est notre grande détermination à faire quelque chose pour lutter contre le Mpox et de faire quelque chose de différent de ce qui a été fait dans le passé. Nous travaillons très dur en arrière-plan avec les États membres, nous avons aidé beaucoup d'entre eux à développer des plans. L'épidémie de Mpox s'est propagée au moins dans une douzaine de pays africains. La RDC a enregistré le plus grand nombre d'infections par la variole en Afrique avec plus de 17 000 cas et un peu plus de 600 décès depuis le début de l'année. Notre pays a une grande expérience dans la gestion des situations d'épidémie et celle-ci en fait partie. Je pense que participer à cette réunion nous aidera à être sensibilisés et aussi à avoir le soutien des partenaires. Les experts de la santé présents ici ont exhorté les ministres africains de la santé à partager des informations et à collaborer plus étroitement afin de prévenir la propagation des maladies au-delà de leurs frontières. Le continent africain est confronté à des épidémies depuis des siècles. Au fil des ans, nous avons développé une expertise croissante, donc le fait que nous ayons aujourd'hui une épidémie de Mpox ne devrait donc pas faire paniquer les gens, car elle sévit sur un continent qui a l'habitude de faire face à ces crises. Mais certains pays africains ont des systèmes de santé faiblement financés par leur gouvernement, ce qui rend difficile l'endiguement des épidémies. Les fonctionnaires passeront cette semaine à discuter des moyens d'améliorer la santé des Africains. Certains décideurs clés des organisations internationales de santé se sont engagés à fournir plus de fonds pour mettre fin aux épidémies telles que le Mpox. Cette annonce est un soulagement pour plusieurs pays africains qui luttent pour contrer la propagation de la maladie. La Lituanie et la Lettonie expriment à leur tour leur inquiétude face à l'assouplissement des règles d'entrée en Hongrie pour les ressortissants de Russie et du Bélarus. Le système hongrois de la carte nationale d'immigration permet aux travailleurs invités de rester dans le pays pendant au moins 2 ans et peut ouvrir la voie à une résidence permanente. Il a été récemment assoupli pour inclure les citoyens russes et bélarusses. Les ministres des Affaires étrangères des États baltes et des pays nordiques ont écrit à la Commission européenne pour lui faire part de leur inquiétude. Selon eux, ces changements pourraient compromettre la sécurité de l'espace Schengen. There was never Schengen free for Russian diplomats with hostile intention, and there was never Schengen free for possible security breaches by certain countries. So this is why we take it very seriously as a security risk. Le gouvernement hongrois a rejeté ces inquiétudes, affirmant que les cartes nationales seraient délivrées conformément au cadre communautaire applicable dans l'Union européenne. Vous nous parlez ce matin de la tuerie au couteau qui a endeuillé l'Allemagne vendredi, qui a été revendiquée par l'État islamique. Alors, elle pose un défi sécuritaire que le gouvernement allemand semble vraiment incapable de relever. Oui, le chancelier Scholz a mis 3 jours à gagner Solingen, où le festival de la diversité s'est terminé en bain de sang avec 3 morts et 8 blessés. Grave, c'est pas le genre des dirigeants allemands de se précipiter sur les lieux d'un drame tout à fait cessante en prenant devant les caméras un air de circonstance, vous savez, un tiers de compassion pour 2/3 de détermination virile. Hier, à Solingen, le chancelier avait sa tête des mauvais jours, mais c'est la même toute l'année, cet homme est d'un caractère égal, toujours maussade. Il a dit sa colère, il l'a dit en restant impassible, il a précisé qu'il était en colère contre les islamistes qui menacent la coexistence pacifique entre nous tous. À vrai dire, le tueur de Solingen ne menaçait pas la coexistence pacifique, mais l'existence tout court de ceux qui ont croisé sa route. Mais inutile de pinailler, c'est sur les mesures à prendre que les Allemands attendaient Olaf Scholz. Oui, justement, sur ce point-là, ils ont été déçus. Ben, il a promis de tout faire pour expulser ceux qui ne peuvent et ne doivent pas rester en Allemagne. Comme il n'a pas dit comment il comptait s'y prendre, il aurait pu se contenter d'allumer une bougie. Le tueur est un Syrien de 26 ans dont la demande d'asile avait été rejetée l'an dernier. La police ne l'a pas trouvé à temps pour l'en informer. Dans le monde idéal des bureaucrates bruxellois, il aurait dû être renvoyé en Bulgarie, puisque c'est en Bulgarie qu'il a commencé son périple européen et qu'il devait déposer sa demande d'asile. Mais c'est la fameuse règle issue des accords de Dublin. Oui, signée en 1990, quand l'Union européenne rassemblait 12 pays et pas 27. La mondialisation n'avait pas commencé. La Bulgarie était la dernière baraque du camp soviétique et surveillait de près sa frontière avec les Turcs. 1990, c'est avant l'essor du terrorisme islamique sans frontières et avant la ruée vers l'Europe
2 millions de migrants parmi lesquels se glissent de temps en temps les émissaires de l'État islamique. L'accord de Dublin est dépassé, tout le monde le sait, les passeurs les premiers. Il a été amendé, mais il est impossible à réformer. À 27, aucune solution ne fait l'unanimité. L'Union reste donc inerte, quelle que soit la colère populaire. Alors en Allemagne, la question des réfugiés domine le débat depuis maintenant 3 mois, Vincent. L'an dernier déjà, le chancelier avait promis aux dirigeants des Länder d'éloigner dans un pays tiers les demandeurs d'asile, le temps d'étudier chaque dossier. Ce que voulaient faire les Britanniques avec le Rwanda. Un peu de juridique a enterré le projet, incompatible avec la Convention de Genève sur les réfugiés et avec la Cour européenne des droits de l'homme. Fin mai, l'affaire a rebondi quand un réfugié afghan a tué un policier au couteau à Mannheim. La coalition Chèvre-Chou, qui associe écolos, libéraux et sociodémocrates, a commencé à tanguer. On a découvert que derrière les rodomontades sécuritaires, plus de la moitié des 50 000 expulsions ordonnées l'an dernier n'avaient pas été exécutées, alors que l'opinion réclame le renvoi des délinquants étrangers, même vers la Syrie ou l'Afghanistan. Les Allemands réalisent, en fait, que l'État est dépassé, castré par les juges et désarmé par l'Europe. La seule décision du gouvernement Scholz est d'interdire le port de couteaux dont la lame dépasse 6 cm, alors que jusqu'à présent c'était 12 cm. Conséquence, la droite ultra, alternative pour l'Allemagne, devrait arriver en tête à la fin du mois dans les élections en Saxe, en Thuringe et dans le Brandebourg, suivie par le nouveau parti de gauche anti-migrant. Sans attendre cette bérésina, on peut dire qu'Olaf Scholz est un second couteau. Ainsi va le monde. Merci Vincent Hervouet. Le chancelier allemand Olaf Scholz a promis de durcir très rapidement la législation sur le port des armes et de tout faire pour expulser ceux qui ne peuvent pas et ne doivent pas rester en Allemagne, quelques jours après l'attentat qui a fait 3 morts à Solingen. Offensichtlich wird es jetzt darum gehen, dass wir die waffenrechtlichen Regeln, die wir in Deutschland haben, noch einmal verschärfen. Das gilt insbesondere, was den Einsatz von Messern betrifft, aber auch viele andere Dinge drumherum, die geregelt werden müssen. Wir werden alles dafür tun müssen, dass diejenigen, die hier in Deutschland nicht bleiben können und dürfen, auch zurückgeführt und abgeschoben werden. Le chancelier allemand a qualifié cette récente attaque au couteau de terrorisme contre nous tous. Celle-ci a été commise par un réfugié syrien arrivé en Allemagne fin 2022 et qui faisait l'objet d'une mesure d'expulsion. Cet événement tragique prend une résonance particulière à moins d'une semaine d'élections régionales très attendues dans l'est du pays, qui s'annonce marquée par une forte progression de l'extrême droite. De nombreux politiques appellent à des expulsions plus rapides de migrants déboutés de droit d'asile et à une interdiction ferme dans l'espace public des couteaux dont les lames dépassent les 6 cm. Plusieurs groupes d'extrême droite ont déjà organisé des rassemblements anti-migrants dans plusieurs villes allemandes. Très tôt ce lundi matin, certains habitants du Portugal ont senti la terre bouger sous leurs pieds. Un séisme de magnitude 5,4 a secoué le pays sans faire de victimes ni causer de dégâts matériels. M'accordai, et puis le bruit de télémobiles et les choses en casa também a fazer barulho. Foi assustador. Acordei e senti a cama a abanar, é claro, e depois fiquei esperando se aquilo avançava, se diminuía, e eu fiquei muito assustada, é normal. Eu só me lembro do 69. Nessa altura foi muito grande. L'épicentre était situé en mer, à environ 60 km de la ville de Sines, dans le sud du pays. La secousse a été ressentie jusqu'en Espagne et au Maroc. Pour le gouvernement portugais, ce tremblement de terre permet de tester la réactivité du pays en cas de séisme plus puissant. Não, é uma preocupação no sentido que a preocupação é saber se temos meios de resposta e um fenómeno natural com esta intensidade já permite verificar como os meios estão ou não estão em prontidão e com capacidade de resposta. Portanto, sob esse ponto de vista, digamos que é uma vantagem colateral de um evento destes, é poder fazer esse teste de forma real. Il s'agit du tremblement de terre le plus important enregistré au Portugal depuis le séisme de 2009. Donc vous avez des élites qui prennent le pouvoir, qui s'accaparent du pouvoir, qui pratiquement ne font plus semblant de tenir le pouvoir,
les élites technocratiques, dirait-on aujourd'hui, parce que la société est technologiquement évoluée, complexe, et puis que le bon peuple ne veut pas vraiment se casser la tête, et puis qui, eh bien, en échange du pouvoir qu'elles détiennent, sont censées redistribuer, jouer le rôle de redistributeur des richesses, de la sécurité, du bien-être, c'est-à-dire qu'elles prennent ce dont elles ont besoin, les élites, mais elles s'assurent que la population générale en bénéficie aussi, que le niveau de sécurité est acceptable, que les retraites sont assurées, qu'un salaire et demi suffit à nourrir une famille de quatre, etc. Eh bien, ça fait, vous le savez très bien, une génération déjà, que ces conditions ne sont pas assurées, mais que les élites n'ont pas pour autant cédé le pouvoir, ça va de soi. Simplement, à partir de ce moment-là, le mode de gouvernement a peu à peu, ou peut-être pas peu à peu, mais assez brusquement, évolué. Et maintenant, nous sommes dans ce mode de gouvernement où la population générale, y compris vous et moi, est prise pour une population de demeurés ou d'enfants n'ayant pas atteint l'âge de raison, qui est environ de 7 ans. C'est-à-dire que c'est le bâton et la carotte, littéralement. C'est vous faites ceci, sinon, gare à vous. Avec cette différence, parce que quand vous disiez à votre enfant « mange ta carotte, sinon tu n'auras pas ton dessert », c'est parce que vous saviez que la carotte était meilleure que le dessert pour votre enfant, mais que lui ne peut pas le savoir. Lui, il n'est attiré que par le goût du sucre, pas par les vitamines. Donc, si vous prenez la responsabilité d'exercer un chantage sur votre enfant, la carotte contre le dessert, c'est parce que vous savez que c'est un moyen, finalement pas trop illicite, d'obtenir de votre enfant qu'il fasse quelque chose qui est bien pour lui. Lorsque vous commencez à exercer un chantage qui ne bénéficie qu'à vous-même, ou pire encore, ce qu'on voit de plus en plus dans cette société où nous sommes, un chantage qui ne bénéficie à personne, mais qui est simplement du chantage pour l'exercice du pouvoir, qui est une manière gratuite de démontrer qu'on a barre sur autrui, et bien là, vous êtes dans un rapport de force, vous êtes dans un système qui est vraiment néfaste. Et dans ce numéro de l'Antipresse, je peux vous dire que vous avez l'illustration, des illustrations sous quatre rapports de l'état du système. La colère ne faiblit pas au sein de la gauche française qui voit Matignon s'éloigner après le rejet de la candidature de Lucie Castet et la décision d'Emmanuel Macron de relancer les consultations avec les autres partis politiques. Le patron du Parti socialiste, Olivier Faure, estime que le communiqué d'Emmanuel Macron est lunaire. La secrétaire générale des écologistes, Marine Tondelier, dénonce, elle, une dérive illibérale. La candidate du NFP au poste de première ministre, Lucie Castet, demande depuis plusieurs jours à l'Élysée de respecter les résultats des élections. Nous sommes ici venus rappeler au président l'importance de respecter le résultat des élections et de sortir le pays de la paralysie dans laquelle il est plongé. Nous sommes venus proposer une solution de stabilité. Ce lundi, le président a également rencontré les dirigeants du Rassemblement national. Ceux-ci ont immédiatement déclaré que leurs élus bloqueraient tout exécutif issu de l'alliance de gauche. Notre position, elle reste inchangée par rapport à celle que nous avions exprimée aux élections législatives. Le nouveau Front populaire, dans son programme, dans ses mouvements comme dans les personnalités qui l'incarnent, représente aujourd'hui un danger pour l'ordre public, pour la paix civile et évidemment pour la vie économique du pays. Des entretiens moins formels devraient donc reprendre dès mardi avec des représentants du bloc central et de la droite. La France Insoumise, le Rassemblement National et le groupe d'Éric Ciotti ne devraient pas y être conviés, selon une source proche de l'Élysée. Et l'intérêt du président de la République, c'est d'être le moment venu en situation d'être le guide, le garant et l'arbitre. Or, plus il met les mains dans l'huile, plus il passe ses nuits à écrire des lettres, non pas aux Français, mais aux partis politiques, plus il s'éloigne de ses positions qui sont notre meilleur atout dans les crises qui s'annoncent, dans les difficultés qui s'annoncent. Il n'aurait pas dû exprimer de préférence. Mais pas du tout. Il doit
être l'arbitre d'une procédure qui prend en compte les intérêts généraux du pays, la continuité institutionnelle, et qui prennent en compte la tradition républicaine. Le président doit être au-dessus de ce jeu-là. Jupiter est mort. Et Jupiter a été battu dans les urnes. On va parler de ce malheureux gendarme qui s'est fait percuter par une grosse berline hier, tout près de Mougins. Alors, il s'appelait Éric Comin, il avait 54 ans, une femme, deux fils de 12 et 16 ans. Il est mort dans l'exercice de son métier, tué par un chauffard, donc qui a été arrêté, Fanny nous le disait à l'instant. Alors, moi, ce que je voudrais dire ce matin, c'est que les refus d'obtempérer, on en parle beaucoup quand ce sont les policiers qui ouvrent le feu sur un véhicule qui tente de fuir. Vous savez, c'est le point de départ de Naël et des émeutes de l'année dernière. Est-ce qu'avec le drame de Mougins, on va s'interroger sur l'inflation de ces refus d'obtempérer? Enfin, le chiffre donné par le ministère de l'Intérieur est effarant. 25 700 refus d'obtempérer en moyenne par an depuis 2016, c'est-à-dire un toutes les 20 minutes. Et la peine encourue, elle est de 2 ans de prison. Seulement 2 ans, ça dissuade qui? On va en parler. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.